Esquissé d'un trait de plume noble en quelques plis et une boucle finale, drapé dans une dignité antique, voici le Basenji. Nous sommes en Égypte, à l'époque où les pharaons régnaient sur la Haute et la Basse Égypte. Alors que tous les autres chiens sont partis par la mer sur les navires des marchands pour se fixer sur d'autres rives, dans d'autres îles, le Basenji est descendu vers la Haute-Égypte pour se perdre dans l'histoire ancienne jusqu'à ce que des explorateurs modernes le redécouvrent au Congo, dans la forêt d'Ituri. L'ancêtre de tous les chiens pharaoniques est le Tessem. Signé comme un hiéroglyphe, ce tessem étouffe une gazelle. Dans un mouvement typique de l'évrier, l'œil vif, les oreilles dressées, l'encolure puissante et la musculature utile jusqu'à la boucle élégante de sa queue. L'Égypte était alors une grande puissance et la plus raffinée des civilisations qui avaient construit les pyramides. Et à la cour de Cléopâtre, le Basenji avait naturellement trouvé sa place. Le goût des Égyptiens pour les animaux était prononcé jusqu'à la déification. Dans toutes les cérémonies, le Basenji veille sur les sarcophages, l'oreille en alerte, gardien de l'éternel. Des sujets très typés sont gravés avec précision sur les parois de la grande pyramide de Khéops et bien avant sur les peintures tombales du sud de la Libye, datées de 6000 ans avant Jésus-Christ. Chez les Égyptiens, il était un chien sacré et par là même adoré. Il nous plaît de penser que, comme chez le chat, les Égyptiens retrouvaient dans les rites frontales du Basenji la marque sacrée du scarabée,
signe d'appartenance aux dieux et de possession royale. Chargé de vertus protectrices, il signifie à la fois l'être et le devenir. Les pattes croisées, incarnation vivante du sphinx, gardien des tombeaux et du luxe qui accompagnait les momies dans l'au-delà, leurs viscères reposaient dans des vases canopes. L'œil fixé sur l'avenir, couché entre la vie et la mort, le Basenji est le premier modèle du dieu chien Anubis. Doué du pouvoir d'accompagner les morts dans l'au-delà, on a retrouvé beaucoup de représentations dans les tombes égyptiennes datant de 3600 avant Jésus-Christ. Il était aussi considéré comme un chien de compagnie, aussi royal fut-elle. Les pharaons sont sûrement plus responsables que les pygmées de son goût pour la vie agréable et le choix des meilleures places dans la maison. Il veille à l'entrée des tombeaux et disparaît dans l'oubli à l'effondrement de l'Empire, tandis que les autres fils du Tézem, partis par la mer, ont essaimé dans les îles et les rivages du pourtour méditerranéen. Les Podinkos, à poils lisses, longs ou durs, dans l'île d'Ibiza, d'où il a pris son nom, aux îles Baléares, aux Canaries, sur les côtes espagnoles et portugaises. Il est venu d'Égypte avec les Phéniciens, les Carthaginois et plus tard les Romains. Intelligent, astucieux, il chasse au nez et à l'oreille, plus qu'à la vue comme les autres lévriers. Il excelle dans la chasse aux lapins sans fusil, mais aussi aux lièvres et aux gros gibiers. De caractère agréable dans la vie courante, il peut devenir hargneux à la chasse. De couleur rouge avec du blanc, son œil est clair, la truffe claire à marron, jamais noire. Les pharaons, dans l'île de Malte et à Gozo. Grand chasseur de lapins, son poil est ras, lustré et fin, d'une seule couleur rouge brique. Vif, intelligent, gracieux et puissant, avec de belles allures faciles et dégagées. Le Cirneco s'est développé en Sicile il y a longtemps. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, on frappait des monnaies avec des effigies correspondant au type actuel. Les navigateurs phéniciens ont contribué à le faire connaître. Vif et alerte, une belle tête sèche, l'ossature légère, doué d'une grande résistance et d'un très bon odorat, il est parfait pour la chasse aux lapins sauvages dans des terrains durs et escarpés. Fauve unicolore, fauve et blanc dans toutes ses graduations, la truffe foncée mais jamais noire. L'histoire perd la trace du Basenji pendant plus de 20 siècles et nous le retrouvons en Afrique où il a remonté le Nil pour se maintenir pur dans la forêt d'Ituri. Le Basenji raffiné de la cour égyptienne est devenu un petit sauvage puisque Basenji veut dire petite chose sauvage, l'auxiliaire de chasse des Africains. Les pygmées l'utilisent pour la chasse au filet et à l'arc. Pour ne pas les perdre dans les hautes herbes, ils leur mettent au cou une cloche en métal ou un grelot volumineux fait dans une noix de borassus. Quand les Basenji chassent dans la brousse, parmi les fameuses hautes herbes à éléphants, ils ont une technique très particulière.
il saute sur place et reste suspendu quelques fractions de seconde. Malin pour un chien de moins de 50 cm dans des herbes de 1 mètre. Chaque village de pygmées en a quelques-uns. Quand le concept de propriété privée n'existe pas, les chiens appartiennent à la communauté ou aux sorciers. Les pygmées n'ont pas d'égard particulier pour leurs chiens, qui, chez certains, ressemblent plus à des animaux sauvages vivant en relation symbiotique avec les humains. Mais dans les villages, ils sont domestiqués, mieux traités et même acceptés dans la maison. Il serait presque impossible pour les pygmées de venir à bout du gibier sans l'aide des Basenjis. Pour cette raison, ces chiens sont considérés comme étant de grande valeur pour les communautés et par là même acceptés avec joie comme paiement dans les arrangements matrimoniaux. Les anciens disent qu'ils ont plus de valeur qu'une femme, car une femme ne chasse pas. Standard du Basenji. Aspect général, caractéristique. Chien aristocratique dans son aspect, de construction légère à l'ossature fine, haut sur pattes par rapport à sa longueur, toujours en équilibre, vif et intelligent. Tête ridée, aux oreilles droites, fièrement portée sur un cou bien galbé. Poitrine bien descendue, dont la ligne remonte pour se fondre dans un flanc bien marqué. Queue enroulée en boucle serrée, présentant l'image d'un chien bien proportionné qui a la grâce d'une gazelle, n'aboie pas, mais n'est pas muet. Son cri, qui lui est bien particulier, tient du gloussement et des vocalisations des chanteurs tyroliens. Remarquable pour sa propreté à tout point de vue. Tempérament. Intelligent, indépendant, mais affectueux et actif. Peut se montrer distant avec les étrangers. Tête et crâne. Tête plate, bien ciselée, de largeur moyenne, qui va en s'amenuisant vers le nez avec un stop léger. L'occiput au stop est légèrement supérieure à celle du stop à l'extrémité du nez. Les lignes latérales du crâne vont en se rétrécissant graduellement vers la bouche, en donnant un aspect bien net aux joues. Les rides fines et abondantes apparaissent sur le front quand le chien dresse les oreilles. Les rides sur le côté de la tête sont souhaitables, mais elles ne doivent pas être exagérées au point de former une peau lâche. Les rides se remarquent davantage chez les chiots. Mais elles sont moins perceptibles chez les sujets tricolores à cause du manque de parties ombrées. La truffe noire est souhaitable. Yeux foncés en forme d'amande, disposés obliquement, à l'expression lointaine et assez impénétrable. Oreilles, petites, pointues, dressées et légèrement encapuchonnées, de texture fine, attachées bien en avant au sommet de la tête, le sommet de l'oreille étant plus près du centre du crâne que le bord externe de la base. Mâchoires. Les mâchoires sont fortes et présentent un articulé en ciseaux parfait, régulier et complet, c'est-à-dire que les incisives supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont implantées bien d'équerre par rapport aux mâchoires. Cou, fort et de bonne longueur, sans épaisseur excessive, bien galbé dans son profil supérieur
et assez bien remplie à la base de la gorge avec une courbure gracieuse qui accentue le galbe du profil. Le cou s'insère bien dans les épaules, ce qui donne à la tête un port altier. Avant-main, épaules bien obliques, musclées mais pas chargées, coude au corps. Le chien est en vue de face, les coudes sont alignés sur les côtes et les antérieurs doivent descendre en ligne droite jusqu'au sol en donnant un devant de largeur moyenne. Les antérieurs sont d'aplomb. Ils présentent une ossature fine et de très longs avant-bras. Les métacarpes sont de bonne longueur, droits et flexibles. Corps. Bien proportionné, le dos est court et droit. Les côtes sont bien cintrées, bien descendues et ovales. Le rein est court. La poitrine est bien descendue dans la région sternale et la ligne du dessous remonte pour se fondre dans un flanc bien marqué. Arrière-main. Fort et musclé, jarret bien descendu, ni en dedans ni en dehors, jambes longues, grassées modérément angulées. Pieds. Petit, étroit et compact, coussinet épais, doigts bien cambrés, ongles courts. Queue. Attaché haut, l'arrondi postérieur de la fesse dépasse la queue à sa naissance, ce qui fait apparaître le membre postérieur long et élégant. La queue s'enroule en boucle serrée par-dessus la colonne vertébrale pour s'appliquer tout contre la croupe en formant une boucle simple ou double. Poil, court, luisant et serré, très fin, peau très souple. Couleur, noir pur et blanc. Rouge et blanc, noir feu et blanc avec pastille feu au-dessus des yeux et masque feu, bringé et blanc, blanc aux pieds, poitrail et extrémité de la queue, le blanc aux membres, la liste et le collier blanc sont facultatifs. Taille et poids, hauteur au garrot idéal 43 cm pour les mâles, 40 cm pour les femelles, poids idéal 11 kg pour les mâles, 9,5 kg pour les femelles. Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité. Allure, mouvement. Les membres se portent droit devant dans un mouvement facile de grande amplitude, vif et cadencé. En Europe, les bassingers ne sont pas utilisés pour la chasse. Or, ils en ont tout à fait le droit. Mais on ne sait pas trop bien que faire de ces chasseurs du silence. D'un coup de dent, ils détruisent rats et souris. Excellents sauteurs, ils attrapent les pigeons à l'envol.
Méfiez-vous si vous avez des volatiles. On peut retirer beaucoup de plaisir en les emmenant au lapin. Et certains affirment qu'ils font de merveilleux retrievers à la chasse aux faisans. Sa mentalité de chasseur de singes prête quelquefois à sourire. Il lui reste à prendre beaucoup de plaisir à la poursuite à vue sur l'heure. Facile à éduquer et facile à nourrir. C'est un excellent chien de garde. Extrêmement vigilant, son ouïe est très fine, mais au lieu d'aboyer comme un fou lorsqu'un événement nouveau se passe, il court en silence et les poils de la ligne supérieure du dos se redressent un peu comme la crête d'un rhodésien. La plupart des visiteurs n'osent pas bouger. Le Basenji n'est pas agressif avec les chiens étrangers, mais il ne se laissera jamais insulter. Ce chiot en dit long sur les exploits de ses ancêtres dans les forêts africaines. Pourquoi le Basenji n'aboie-t-il pas? Mettons fin à une légende. Ou un chien n'aboie pas parce qu'il ne sait pas aboyer, ou il ne veut pas. On a donné les explications les plus fantaisistes. La conformation du larynx. En effet, le ventricule du larynx a une position légèrement différente. Mais retenons surtout que le Basenji n'aboie pas parce qu'il ne veut pas. Il est physiquement capable de le faire. Bien que les voyageurs aient décrit ce chien comme étant très bruyant, surtout la nuit, sur son territoire d'origine, aucun des bruits qu'il n'émet ne ressemble à un aboiement. Les Basenji ont développé des sons spéciaux qui passent par toute la palette des sentiments, allant du roucoulement de joie entre le rire et le cri du pigeon, du jappement de stupeur au grognement de colère, voire d'agressivité. Même lorsqu'il le fait volontairement, le Basenji aboie très peu comparé aux autres chiens. Le non-aboiement du Basenji n'est pas une qualité primitive et ancestrale, mais plutôt un trait caractéristique relativement récent produit par sélection naturelle ou non. Pour vivre et chasser, le Basenji a appris à se taire. Peut-être les chasseurs d'origine ont-ils fait une sélection sur le silence pour obtenir les meilleurs résultats de chasse, comme ils ont sélectionné la queue enroulée typique. La race très semblable au loup, au chacal, au dingo et autres chiens parias dans le monde, avec leur unique portée par an, existait bien longtemps avant qu'on ne la gravât sur les tombes égyptiennes. Peut-être que ses ascendants remontent à une origine si lointaine que les chiens n'aboyaient pas encore. Les Nyanga ont une belle légende qui explique pourquoi les Basenji n'aboient pas. Leur ancêtre, un animal nommé Rukuba, était si malin qu'il pouvait parler. Des plans ont été faits par les hommes pour l'utiliser comme messager. Comme d'habitude, les hommes ont exagéré. Alors, pour ne plus être envoyé dans de longs voyages fatigants, Rukuba prit un jour le parti de se taire et tous ses descendants ont gardé cette sage décision.
quelquefois lire que le Basenji a mauvais caractère. C'est faux. S'il est choisi dans une bonne lignée, vous aurez un chien très agréable. Ce n'est certes pas le chien de tout le monde. Son tempérament assez particulier le fait se situer entre le Sloubi et l'Azawak au niveau caractère. Fier et indépendant, espiègle, sans cesse sur le qui-vive, il ne supporte pas l'indifférence et n'obéit que par amour. Avec un trait en plus, il est curieux comme un chat et passe sa vie, comme tout bon félin, à surveiller son entourage. Cela dit, son caractère est à former tout petit et il faut le faire obéir avant qu'il ne développe trop son goût naturel pour l'indépendance. Ce n'est pas du tout un chien de chenil, il a surtout besoin d'amour pour vivre. Sa taille est idéale pour les astreintes de la vie moderne et il peut très bien vivre en appartement, à condition de ne pas le laisser seul, sous peine de voir votre intérieur détruit par solitude et sentiment d'abandon. Il s'entend très bien avec les enfants, avec qui il fait un compagnon de jeu parfait. Beaucoup de personnes allergiques aux chiens peuvent vivre avec un Basenji. Son poil n'a absolument aucune odeur et il se lèche inlassablement comme un chat. Le Basenji est très propre naturellement. Les femelles n'ont de chaleur qu'une fois par an, en hiver. Celui qui possède un Basenji ne pourra jamais s'empêcher de penser qu'il a devant lui un chaînon important de l'histoire. Parce que dans notre monde moderne si bruyant, où tout va souvent trop vite et trop mal, la principale vertu d'observer et de se taire est un luxe que nous avons peu à peu appris à oublier. À les observer si plein de mystères, je ne peux m'empêcher de penser que ces chiens gardiens du silence sont porteurs de tant de secrets qu'ils ne nous diront jamais tout. Voilà pourquoi on les aime et qu'ils continuent à nous charmer. Le rêve fait partie de l'homme. Continuons de rêver.